place de l'apôtre malgré moi. Je ne pouvais même pas parler plus que ce qui se passe à l'Est, c'est inacceptable. Correct. Un monsieur qui s'appelle Kagame, c'est donc Félix, tous les jours, de donner la mort au peuple congolais avec la complicité de certains bandits de notre pays. Et l'opinion internationale est en train d'observer ça comme ça. Et je le répète encore, tous les jeunes de notre pays, partout où ils se retrouvent, ils doivent accepter de se faire enrôler dans notre armée nationale pour défendre l'intégrité de notre territoire. Ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, président de la République, le même discours doit continuer. Et ne pas trahir le Congo. Dire que non, l'armée congolaise est désorganisée. C'est faux et archi faux. Applaudissons fort pour notre armée nationale. Il y a certains qui se réclament des opposants. Depuis que Kagame a commencé à tuer les Congolais,